Como é que conheceste Dubbing Corporation? Ora, foi há mais ou menos 3 anos atrás. Foi um amigo meu que mostrou pela primeira vez a Rude Boy. E foi aí que eu comecei a gostar. Ela a connu il y a 3 ans par un pote à elle que lui a fait écouter Rude Boy. Et depuis, elle adore. Já os tinha, já viste tes concertos? Não, não, foi a primeira vez. C'était la première fois ce soir. Fantástico. Fantástico. J'ai pas besoin de traduire ça. Fantástico. J'écoute tous les jours Dubbing Corporation, tous les jours. Je me lève le matin, je mets Dubbing, je dors avec Dubbing. Je suis un fou de Dubbing. Pour moi, Dubbing, c'est vraiment un exemple de réussite, tu vois. Faut qu'on prenne Dubbing comme exemple et qu'on se dise, ouais, ben, nous aussi, on va se battre, on va faire des albums, des tournées et tout, quoi. Et vivre de notre passion, quoi. Ils ont entraîné dans leur sillon, je veux dire, toute une flopée de groupes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une scène reggae stéphanoise et c'est, tout ça c'est grâce à eux, quoi. Ce qui a fait la force, on va dire, dans le foot, pour faire un parallèle avec la ville, c'est les valeurs. C'est-à-dire qu'ils se battaient, ils mouillaient le maillot. Ce qu'on appelle mouiller le maillot. Et quand tu vas voir la dub en concert, tu comprends pourquoi ils en sont arrivés là. Parce qu'ils sont sur scène et ils mouillent le maillot comme à l'époque de 76 à la grande épopée des Verts. Qu'on a fait, on n'était pas au top. Donc là, il y a un peu le côté, il faut rattraper le coup ce soir, pour se rassurer nous. Après là, il y a un autre facteur, c'est que c'est du sable par terre. C'est tout con, mais bouger dans le sable, pour les gens, c'est hyper chaud. Donc faut pas s'étonner si ça bouge un peu moins, ça saute un peu moins. Cut!
En fait, c'est quoi? Tout à l'heure, on a fait un rythme sur un créé en fait sur scène. Là. Et du coup, personne n'a enregistré. Donc, comment on sait qu'on va les oublier comme les milliers d'autres qu'on a fait sur scène. Donc, on l'a enregistré comme on a pu. Voilà. Il y a eu 2000 personnes. Quoi. Voilà, ça a été un show, mais un truc de ouf. Donc, les gars, cette année, ils sont encore plus ouverts. Et le soir, on va demain, donc c'est le seul soir qu'on va faire ici. Exactement. Et c'est comme je te dis, ça commence à 6h de l'après-midi. Hein. Sérieux. Donc tu vois, entre 6h et minuit, et tous les gens qui vont passer là, les trucs, ils vont tous être là. Putain, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Ouais. Ça se trouve, il y aura peut-être 5-6 000 personnes ce soir. Ah ouais, c'est ce que je te dis. C'est ce que je disais à Matt. Donc ça va être blindé en fait. Ouais. Moi je dis, Matt, hein, Mathieu, moi je dis facile, là où il y a les bars là, tout ça sera plein. Hein. Facile. Je te dis. Ah non, mais. Oui, je te dis. Là, c'est encore un autre festival, celui-là, un public mainstream, donc avec Bloc Party et tout ça, plus rock. Donc ça va être un peu, on va être un peu, comme on dit ici, la bête noire du festival. Mais c'est cool d'être dans cette position, je pense, parce qu'on va jouer devant des gens qui connaissent pas, un public qui n'est pas un public reggae. Voilà, la saga de Bingo Portugal continue. Ils avaient un studio de répé à côté. C'est de là que je les connais, ils répètent et puis ils viennent. Non, il était temps, ouais. 4 mois qu'il a enregistré, donc voilà, c'était le moment. Donc ça le fait. Chez Serge, t'as fait le tour du propriétaire un peu. 4-2, Saint-Etienne, ouais. Je sais pas s'il y a réellement un cap à passer pour un troisième album. Ça, j'ai l'impression que c'est plus des gens qui vont te mettre des barrières et te dire que voilà, celui-là est attendu, c'est un cap à passer, un troisième album, vis-à-vis des tourneurs, vis-à-vis des programmateurs, du machin. Non, c'est blabla tout ça en fait. C'est toi et ta musique en fait. C'est ce que t'en es content, est-ce que t'es content de ce que tu viens de faire, de ce que tu viens de créer, les un an et demi qu'on a passé ensemble à travailler concrètement sur des choses, enfin sur cet album quoi, et c'est toi, tout simplement toi, est-ce que t'es content de ça? Donc les gens. Les critiques, ouais, on les attend avec impatience, mais alors peut-être qu'elles vont nous réconforter dans un sens et peut-être qu'elles vont nous descendre, peu importe. Finalement, nous, on est super contents de ce qu'on a fait. Quoi. Voilà, c'est tout. Rights. Original dubbing operation song. Hey, Roots and Culture.
parano. Tous ceux qui veulent parler de venir ton dos, tous les fachos. Hey, toujours de la bande, Dubbing Corporation, c'est John. On a invité sur des gros festivals comme celui-ci, les Vieilles Charrues, Solid Days, tout ça. On est pratiquement le seul groupe qui est toujours autoproduit de A à Z, qui avons un minimum de public, qui faisons des tournées avec des salles remplies, enfin, plutôt bien. Sauf qu'en termes de médias, on n'a aucun retour. Sans dire que les médias de façon générale, c'est notre objectif suprême, mais du coup, des moments, c'est un peu une sorte de frustration, de se dire putain, vous n'avez strictement rien à foutre de nous malgré tout ce qu'on fait. Mais vous étiez aux Vieilles Charrues donc la semaine dernière. Ouais. Ah bah c'est les mêmes réalisateurs de scène qu'aux Vieilles Charrues en fait. Non mais en fait on était les seuls à pas être filmés. Donc je te dis toi que alors qu'on a signé un contrat comme ici avec la même équipe, hein, sur le site internet des Vieilles Charrues, on est les seuls à pas avoir de photos. On est les seuls à pas avoir été couverts par des photographes. On voit tous les artistes dans les trucs sauf nous. Ouais, je vais poser la question au producteur, c'est un peu étonnant. Bon, là, c'est sûr que c'est filmé. Hein. Il y a les caméras, le réalisateur vient de vérifier, donc c'est sûr que c'est filmé. La dernière tournée qu'on avait fait en été, c'est déjà arrivé qu'on soit dans des festivals, genre ta Canal+, tu vois, la matinale. Nous, on joue en deuxième, ils vont interviewer et parler de ceux qui jouent en premier et en dernier, mais pas de nous. Et ceux qui jouent en premier et en dernier, ils sont signés en majeur, tu vois. À un moment donné, tu comprends pas pourquoi ils citent même pas ton nom, tu vois. Tu te dis, mais comment c'est possible, tu vois, c'est vrai, il y a un côté quand même, pour l'amour propre, c'est pénible, quoi. Tu te dis, mais on est boycotté ou... Là, on n'a toujours pas compris le système, comment ça fonctionne, quoi. Ça, c'est sûr. Que les gros médias s'adressent plutôt aux grosses maisons de disques, ça peut être un procès qui est fait. Au sein des rédactions, il y a une vraie volonté de faire du défrichage, de la recherche. Après, c'est notre boulot de persuader nos red chefs de l'intérêt. Mais c'est pas gagné, ça c'est vrai que c'est pas gagné et qu'on n'est pas à l'écoute de ceux qui ne sont pas sur le devant de la scène obligatoirement. Non mais je vais pas raconter de conneries, évidemment que ça se passe comme ça. Évidemment que c'est beaucoup plus dur pour un groupe qui est inconnu d'attirer du monde s'il n'y a pas un buzz parce que tout d'un coup il y a un truc qui s'est passé et tout le monde, on va se dire entre nous, putain t'as vu tel groupe, putain mais tout le monde en parle, bon ils jouent sur telle scène, on va tous y aller. C'est plus difficile de faire un groupe par exemple comme le vôtre plutôt que de faire Francis Cabrel, ça c'est évident. Et qu'on peut se dire, c'est peut-être pas très intéressant de faire Francis Cabrel parce que tout le monde le fait. C'est toujours un peu frustrant parce que le public est là, le groupe est là, putain mais ça marche, j'ai 500 personnes devant moi, ils me suivent et tout. Qu'est-ce que foutent les médias? Les médias, ils sont un peu peut-être paresseux, ils attendent qu'il se passe un truc. Vraiment, vraiment un buzz, mais d'un coup on leur dit, mais vous savez ce concert, ce groupe, ça fait déjà 3 ans qu'il tourne, ils ont vendu 20 000 albums sans votre aide. Ah bon? Ah bon? Qu'est-ce qui se passe et tout? Ah bon? T'en as entendu parler? Tiens, il y a Libé qui a fait un truc. Ah bah alors si Libé a fait un truc. J'ai l'impression que comme on n'est pas à la mode, ou tu vois, je sais pas, on n'est pas fashion. Dubbing, c'est un truc qui n'a pas été porté par les médias. Il a toujours construit son truc sur son public, sur ses performances en live et sur ce rapport direct. Il n'y a pas de médias entre Dubbing et son public. Il n'y a pas, pas d'alibi intello entre Dubbing et le public. Il n'y a pas de campagne de marketing entre les deux. C'est un truc qui est très direct, qui a grossi petit à petit, d'une manière très linéaire et qui est le cœur d'un groupe populaire pour moi. Pique son reggae et tout, franchement ça le fait. On vient de loin pour vous voir. Ouais, on est ouais, venu de, vrai, on a fait de Lyon, Lyon premier, mais ah, bon, on t'écoute depuis très longtemps et voilà quoi, on attend que du bon. Alors c'était vraiment un concert génial, magnifique, vraiment très très bien. Et Dubbing, les gars, je vous kiffe, franchement, même freestyle. Génial, génial, vos musiques, j'attends que vous. On On surfe un peu sur vos bios, on s'aperçoit assez rapidement que vous avez quasiment aucun passage radio, aucun passage télé et que vous semblez pourtant remplir la scène, les scènes. Vous expliquez ça comment? Je pense que ça vient de plein de choses. Ça vient du fait que
le style de musique qu'on fait est aussi pas beaucoup. Tu vois, ce soir on joue avec Tikken Jaffa Coli, c'est un des seuls artistes reggae dont on peut parler, parce qu'aussi il a une actualité, on va dire, politique. Et là, tu vois, sinon, voilà, hors envoyé spécial et tout ça, il n'y a pas vraiment de place pour ce genre de musique, pour tout ce qui est world. Et qu'ensuite, une autre chose, c'est qu'on est en indépendant. Et c'est vrai qu'on n'est pas vendu dans des catalogues d'éditeurs, etc., qui font passer leur groupe à la télé. Et puis aussi, troisième point, on ne s'est jamais non plus battu pour ça. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été dans le Gotha parisien, tout ça, à chercher les contacts qui font monter, quoi. Ouais. On a toujours continué à bosser dans notre sens et voilà, pour qu'on le paye d'une certaine manière. Moi, je trouve que c'est triste et ça fait plaisir en même temps, quoi. C'est-à-dire que c'est triste dans le sens que bah, ça reste des musiciens, c'est des artistes, ils se bougent. Et puis, bah, y a pas la reconnaissance des médias parce qu'il n'y a pas les grosses majors derrière. Donc c'est ce côté triste, mais ce qui est cool, c'est que quelque part, ils n'attendent pas après ça du tout pour faire de la musique. Et puis, on arrive à l'essence même des artistes, en fait. C'est qu'ils sont là avant tout pour faire de la musique. Quand tu croises certains gamins, t'es leur héros AULT, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que t'es le gars, le groupe qui passe par la télé, qui fait l'indé, qui aide Saint-Etienne, et ils vont te voir, tu vois ce que je veux dire ? Ça participe à une sorte de mythologie, ouais, de bing qui sont comme ça, tu vois. Ouais, mais bon, au final, c'est vrai qu'on peut pas s'en plaindre non plus, parce que tu vois, on dit ça maintenant, c'est le troisième album, mais au final, on n'a jamais joué le jeu. Il y a aussi un jeu à jouer. Hein. Le jeu du single, par exemple, tout simplement. Si on avait voulu jouer le jeu de ça, on l'aurait fait à longtemps, tu vois, sortir un single depuis Diversité, hein, c'était Root Boy, hein, et puis voilà. Je pense que si le public aussi respecte ce côté invisible. C'est-à-dire que si tu vas voir sur mon site internet, le MySpace, on a dépassé les 400 000. Enfin, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que notre public nous suit quand même. On est aussi la preuve que voilà, peut-être que les gens maintenant, ils ont plus besoin des gros médias pour savoir ce qui se passe. L'avantage du net, c'est ça, c'est que bah, il n'y a pas besoin d'être en prime time avec 4 minutes de pub entre deux. On arrive à buzzer sans spécialement passer par nous autres journalistes, médias. Ou parfois nous-mêmes, on est juste saturés, ceinturés. On n'a pas le droit. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas le droit, mais on nous dit non, on parle pas de ça, ça intéresse pas les gens. Et puis bah, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire, est-ce que c'est nous qui parlons aux auditeurs et les auditeurs s'intéressent à la chose, ou est-ce qu'on doit suivre ce qui intéresse les auditeurs? C'est le serpent qui se mord la queue et on n'en sait plus trop. Et on nous dit tout le temps dans les médias, ne suivez pas le serpent, mais dès qu'on se permet de le dépasser, ce serpent, on se fait rappeler à l'ordre. Donc c'est un peu chaud, je trouve. Là, je suis viré, je pense, hein, mais voilà, c'est dit. Si on est toujours là, c'est pour la musique, c'est grâce à notre public. Oh, what a bang bang. À chaque fois qu'on connaît la marque de fabrique sans être médiatique. Oh, what a bang bang. On shoot leurs médias, leurs clivages par euros. C'est une bande d'état, de mille se prépare à l'assaut. Fait tourner les infos, notre tribune est l'unique micro. Bang 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 bang. Ouh, ah, what a bang bang. Car tous leurs médias à chaque fois me rendent dingue. On n'est pas dans la mienne, mais sur le son on déglingue. Mike Cruz, ready now. Et l'information. Ouh, ah, what a bang bang. On shoot de leur business et on reste en système. On passe pas sur leur jeu, mais tout se passe sur scène. Mike Cruz, ready now. Et des fois action, toujours pas officiel. Dans leur monde et les médias, rien de confidentiel. On n'oublie pas leur contrat, tu nous entends pas trop. On passe pas pour des idiots, certains c'est leur boulot. On se charge de notre promo, et s'il faut que l'on plie, non on ne bougera pas. On a fait un pari, on reste dans la même voie. On se construit pas seul, pas besoin de leur accueil. On reste pas sur le seuil, même on en sort à peine. Les vulgaires sont immondes. Fuyez les dates, battez-les. Les infos qui passent nous inondent. Hey. Je cours, cours et préfère être sourd. Sourd et sans faire de détour. Nous on est toutes les fiers de notre monde. Lourdes, c'est la résistance qui m'entoure. Et bien fuyez-les, butez-les, shootez-les ou pendez-les. Ouh, ah, what a bang bang. Car tous leurs médias à chaque fois me rendent dingue. On n'est pas dans les gangs, mais sur le son on déglingue. Mike Cruz, ready now. Ready for mission. Ouh, ah, what a bang bang. On joue de leur business. Et on reste en système. On passe pas sur leur jeu, mais tout se passe sur scène. Mike Cruz, ready now. Mais des fois action. On garde ça. Le chant comme une force et de la même façon qu'un TM disait il y a quelques années, on passe pas dans leur radio, on fera le tour, c'est pas grave. Pour autant, je pense que tout musicien, il me semble, aurait plaisir à faire de la musique en partie pour que le plus grand nombre la découvre. La radio permet ça. Donc je pense que je me demande si eux, quelque part, ça ne dirait pas de temps en temps, tu vois, il y a quand même une part, il me semble, de semblant de frustration. Pendant des années, je dis, ouais, j'ai rien à foutre des radios, on n'en a pas besoin, on remplit les salles, on est indépendant. Non, je dis, c'est quand même pas juste, toujours les mêmes 10 chanteurs pourris à la radio avec nous.
Bon, il y a cette part de frustration quand même, je pense. Et après, oui, à l'inverse, bizarrement, ça peut être préjudiciable d'être surmédiatisé. Parce que dans la mentalité française, il y a quand je te dis, il y a deux publics différents. Le public festival, si tu deviens surmédiatisé, pour lui, il y a un truc qui est louche. C'est oula, eux, ils ont vendu leur âme. Je sais, avec Sinsé, on l'a payé cher. Et je pense qu'on continue à le payer cher. Je trouve ça lunaire, parce que nous, on n'a pas changé. Mais donc, oui, c'est... Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. On les a, les pistes et les voix de diversité, tu sais, de l'album Diversité. C'est qui les veut ? Il y a un gars qui... Un DJ qui habite en Amazonie. Ouais. Enfin, au milieu du Brésil, et qui fait des mixtapes. Il veut faire un remix et tout de Rude Boy. Envoie direct. Ouais, mais si on n'a pas les voix, on lui envoie pas. Bah, Rude Boy, moi, je l'efface, tu veux. Dans le cas de Bink, la préoccupation principale du groupe, enfin, telle que je la ressens, c'est d'être vraiment proche de sa base de fans et de son public, mais sans pour autant avoir autre chose à vendre aux médias, en fait. Et ça en soi, que moi je trouve absolument fantastique, qu'un groupe passe autant de temps avec son public, malheureusement c'est pas un truc que les gens ont envie de voir dans la presse ou à la télé, voilà. En fait, là, c'est une Turque à qui j'ai envoyé un message, machin, pour savoir comment elle avait entendu parler du groupe. Et elle m'a répondu cette histoire qu'elle va dans un bar où le DJ passe de Bink et tout ça. Donc, il faut que je demande le contact du DJ pour que je lui envoie des disques, machin. Moi, je crois beaucoup plus au bouche à oreille des gens quand ils passent des soirs entre eux, qui se font écouter de la zik ou des DJ comme ça qui passent notre son dans des bars et les gens aiment bien et vont lui poser des questions. Enfin, ça peut être plein de... Je crois plus à ça qu'à des grandes... À des grands plans marketing, à plein de choses. Et pour moi, ça c'est... Pour nous, ça peut-être que ça marche pour des artistes, mais pour nous, ça marche pas. Si être indépendant, c'est être libre de faire l'album qu'on veut, le sortir quand on veut, et dans les territoires que l'on veut, oui. Après... Après Dubbing, en fait, c'est quoi qu'il arrive, rentrer dans un système en fait où ça joue dans des zéniths et donc ça fait des grosses salles, etc. etc. Donc on peut dire aussi, bah non, c'est plus vraiment un groupe indépendant si dans le mot indépendant on sous-entend développement un peu galère avec une esthétique un peu revendiquée, etc. etc. Donc je pense que en tout cas, c'est un groupe qui est, alors si pas indépendant, en tout cas très autonome et très libre. I'm sorry about the long walk. No, to the car. No problem. Fine. Yeah, I have bread. Yes. I have bread. Yeah, cool. It's okay. It's not late. This is barbecue. You want something? Levy roots, reggae. Thanks. Sauce. Barbecue. Ils ont même réussi à renouveler quelque peu le genre en mariant avec talent et qualité vocale d'un toaster véritablement ragga dancehall et c'est le plus oriental de Bouchecourt. Solidement soutenu par un groupe qui maîtrise le sujet, les deux Bink allient cette qualité musicale, énergie communicative que tous ceux qui ont assisté à un de leurs concerts n'ont pu que constater. Leur nouveau et troisième album Prika est donc un événement dans le milieu de reggae francophone. 14 saisons réunies cette galette, alternant monstre conscient, métissage, farafina, ouais. Sonorité purement new roots, day after day, jump up, reggae français plus classique, SDF, dub, même dub, yes. Dancehall, tiens bon, utilisation du vocoder avec brio, Jamila. C'est bon ça. Ça, tu vois, je suis très content de c'est mon ce C'est ce qui est bon chez les Dubbing Corporation, cette capacité à varier les styles, toujours avec bonheur, en abordant des sujets engagés de leur temps, comme sur Petit Soldat, sans caricature. Alors autant ne pas y aller par quatre chemins, l'ensemble est une vraie réussite, même si tous les morceaux ne sont pas au même niveau. C'est sans hésiter que Reggae FR est devenu partenaire de cet album qui s'installe déjà comme l'un des tout meilleurs albums de reggae français de l'année. Cool, sont cool les gars. Bon, Richie, Ben, Godino, so, Richie. Kiko, Godino, Kiko, Cesco, yeah. Kiko, Cesco, Richie, Ben. Project, right now, we are recording dubplates for No Joke Sound, the champion sound from Portugal, with Dubbing Corporation.
So we want to have some dub plates. We're just checking the feeling, seeing what they want to record, what they don't want to record, because I don't want to give them, like, record this. I want them to voice the best dub plates Dubbing Corporation has ever voiced, to No Joke Sound. That's what about we're doing, yeah. No Joke Sound, murderer, murderer. Quand tu débouches chez moi avec leur flingue et leur clé, ça fait murderer, murderer. Mon peuple qui pleure, j'ai peur qu'il soit déjà trop tard, madame, murderer, murderer. T'as une canne noble, elle va naître de la poudre d'art. No Joke, murderer, murderer. On lève un don, on l'a qu'on s'est vendu, tout c'est pas rien. C'est bien parce qu'à l'étranger, dis-toi que les Soon, ils vont jouer. Par exemple, on a fait des deux plates pour Popo. C'est un gros Soon système allemand. Et ben regarde, la dernière fois qu'on vient en Portugal, ils nous disent putain, Popo, ils sont venus jouer, ils vous ont passé. Dans la soirée au Portugal, le Soon système allemand a joué un groupe français. Donc c'est bien. Ça prouve que les Soon System, ils font réellement circuler le truc, quoi. Et ici, plus que jamais, le Soon System, il est le... C'est lui le médiateur à faire connaître les trucs, tu vois ce que je veux dire? Nous, il n'y a pas autant de distribution de disques, les modes arrivent un peu plus tard. Le Soon System, il se passe plein de choses. Donc c'est important de faire les plates, surtout à l'étranger. Lui, il va nous jouer. Dans toutes les prochaines soirées, il va nous jouer, c'est sûr. Ça fait vivre les morceaux différemment. Ça fait un petit truc en plus, tu vois, on part, on lui aura laissé un morceau de nous, une version qu'il aura que lui. Truc unique, c'est ça tue. Yeah! So listen soon, boy, fais bien attention, car au bout du chemin, peut-être la mort ou bien la prison, ne joue pas les bad boy, et passe à l'action, yo, avant d'avoir comme choix la... Ils ont commencé par l'underground, par l'autoproduction, par tout ça, donc c'est pas la même voix que le groupe qui va démarrer et qui va tout de suite vouloir, bam! C'est des chemins différents, quoi. Soit on considère que c'est un but, une fin en soi, soit on se dit, bah, si un jour j'arrive là, c'est que c'est la conséquence de mon travail, quoi. C'est le fruit de mon travail. C'est comme ça que je les vois, ils ont choisi le do it yourself un peu, quoi. Et they did it. Collaboration qu'il y a pu avoir. Effectivement, il y a eu ce concert au Mistral. Alors ça, déjà, même moi, si je suis pas stéphanois à la base, ça fait un petit moment que j'y habite et il se trouve que j'habitais à côté du Mistral et que les dernières années du Mistral, j'y allais quand même à peu près tous les jours. Et que l'histoire du Mistral, elle est connue, elle est même, en tout cas, au moins dans le milieu underground, elle est connue depuis très 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 longtemps. Elle a beaucoup participé à l'histoire du rock en France. Et quand je dis rock, je parle pas du style rock, je parle de la musique en général. Comme je pourrais dire justement, quelque part, que Dubbing, ils font partie du milieu rock, quoi, au sens très très large du terme. Ils commençaient quand même déjà à tourner pas mal, nous ça faisait 8 ans qu'on était sur la route. De se retrouver dans un endroit aussi confiné, mais avec une ambiance, enfin un endroit qui a une âme vraiment, avec un public qui était aussi fervent, aussi ardent plutôt d'ailleurs, de partager la scène et dans chaque set d'avoir fait une collaboration, c'était un moment super fort, quoi. On pourrait peut-être commencer par faire beaucoup de bruit pour Dubbing Corporation. What's a liar? What's a liar? Show them a bit.
À Saint-Etienne, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est la force de Saint-Etienne, c'est qu'elle a une vie associative très 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 forte, cette ville. Il y a toujours eu des artistes, des plasticiens, des musiciens, des gens qui font de la vidéo, etc., qui sortent de Saint-Etienne. C'est pas pour rien, parce que c'est vrai que dans ces villes où on te donne très peu de choses pour te démerder et que les priorités sont sûrement pas la culture dans une ville comme Saint-Etienne, tu vois, et ben les choses se réorganisent entre les gens. Donc du coup, c'est bien plus fort. Les premières fois qu'on a organisé des concerts ou pas des spectacles par nous-mêmes, qu'on a produit, voilà, on s'est rendu compte de ça. Toutes les assos qu'on connaissait, nous ont des techniciens pour ça, des gens pour aider pour la cuisine, des gens pour l'entrée. Ça s'est fait d'une simplicité. Et ça, c'est vraiment Stéphane. Hein. C'est-à-dire que les gens, ils s'entraident. T'as un vrai truc. T'as un truc qui humainement est assez fort. Et donc ouais, on vient de là, c'est évident. Bonjour à toutes et à tous, c'est bien Radio Duo 85, Saint-Etienne et Périphérie, mais aussi les www.radiodio.org. Les débuts de dubbing sont à peu près fin des années 90. Il faut savoir, ça c'est important de le situer, hein, le contexte stéphanois est proche, c'est que Saint-Etienne depuis, on va dire, la deuxième moitié des années 80 a toujours été très très riche en groupes de tout genre. Ceci dit, sur la fin des années 90, à partir de la deuxième moitié du moins des années 90, il y a eu ce qu'on appelait les lois contre les nuisances sonores, qui ont un peu ralenti de manière substantielle les activités culturelles, et notamment les concerts à gauche et à droite. Mais ça existait toujours. Un peu plus en souterrain, un peu plus entre guillemets underground, etc. Et dubbing arrive dans ces groupes-là. We'll find the way. Dubbing, c'est une histoire de potes de lycée. Donc, quand on était en terminale, on a monté ça avec Greg, le batteur, Jérôme, qui était notre premier bassiste. Et à la base, c'était vraiment juste un trio. Ça s'appelait déjà Dubbing Corporation, c'est Jérôme qui avait trouvé le nom, je me souviens. On a joué un an comme ça, donc je me souviens, notre premier concert, on l'a fait dans la cour du lycée, justement. On était tous très influencés par ce mouvement reggae qu'il y avait en France à l'époque, à savoir reggae et actif sur scène, j'entends les gens comme Sins Emilia et Gnawa Diffusion, qui étaient vraiment, je pense, nos deux grosses sources d'inspiration. Le génie a fait mal, mais beaucoup d'autres ont les mains sales. La terreur s'installe comme une sorte de carnaval. La DRB, Malvé et Saint-Paris qui jouent à la balle. C'est pas celui qui dans la masse sera le plus bestial. La politique, du vide est à vide, même sous vide. Ils vendent le cœur, ils enchaînent les arachides. La balance, les trucs des deux côtés pèsent. La menace, on s'en va la bataille, la malabataille. Quand on a rencontré Hakim, qu'on a entendu comment il chantait et tout, dans une soirée en faisant la fête, avec Jaj, on s'est dit, ouais, ce serait trop cool si lui, il avait envie de... Si, faudrait lui demander s'il aime Gnawa Diffusion, s'il aime le reggae, et s'il aurait pas envie de chanter avec un groupe. Il y avait déjà cette espèce de particularité de ce groupe-là. Ce n'était pas le nouveau Sins Emilia, ce n'était pas le nouveau, je ne sais pas, Massilia Sound System à l'époque, ce n'était pas le nouveau, etc. Ils avaient déjà leur chose. Là, sur scène, il y a un vrai truc qui s'est passé. Ni les uns ni les autres, on avait fait un concert ensemble, on était déjà bien potes, on avait fait vachement de répètes et tout, mais on faisait ça quand même pour délirer, quoi. Et là, il y a un truc qui s'est passé vraiment magique, où on s'est dit, vas-y, c'est bon, il faut enquiller la seconde, faut chercher des concerts maintenant.
prenait tout ce qu'on trouvait. Même si on était payé 500 francs à l'époque, 70 euros, je sais pas combien ça fait. Eh ben on y allait, on n'avait pas de sous, on n'avait plus de sous, on n'avait plus rien, on fonçait, on jouait tout le temps. Dès qu'on nous demandait quelque part, les bars, on a commencé par les bars, les petits bars, les salles, ça s'est fait progressif. Le terreau reggae qu'ils avaient pris était, n'était pas vierge. À Saint-Étienne, il y avait déjà eu des choses qui s'étaient déroulées ou qui continuaient de se dérouler. On va citer comme ça pour mémoire les Babylon Fighters ou Night Shift, des gens qui avaient déjà été présents. Bien que Saint-Étienne et la région étaient une espèce, il y a une espèce de terreau assez fertile hein, de la musique reggae de manière générale. On a dit Babylon Fighters, Night Shift pour Saint-Étienne, Généralo et Dr. Kobe évidemment. Commencer aussi à poindre ce qu'on appelait le nouveau dub, Stéphano en particulier, hein, SSE, Brain Damage, donc du côté de Lyon, Highton, etc. Mais un peu plus Lyon cette fois-ci sur la région. Mais voilà, c'était aussi Saint-Sémilia, c'était Crazy Skanker, c'était ben voilà, divers groupes qui pointaient entre guillemets leur nez, voire un peu plus. Et à Saint-Étienne, ceci dit, malgré ce terreau fertile, il n'y avait pas réellement de groupe de reggae. Ça avait disparu, ça avait un peu disparu. Et eux, ben voilà, ça a été donc les deuxièmes premiers. Voilà, c'était les deuxièmes premiers. Et je pense que voilà, ça manquait aux gens. À prendre de l'ampleur uniquement dans la région, je dirais peut-être pas au-delà des frontières de la région. Et on a un projet que Tikken nous sollicite sur un projet de construction d'école qu'il a depuis longtemps. Il avait donné sa parole dans un village de construire une école. À ce jour, on n'est qu'une petite association et on prend la grande salle de Saint-Étienne qui était le palais des spectacles avec 4000 personnes. Et là, on est pris pour des fous. Un artiste ivoirien sur une star du reggae mais qui n'est pas encore très médiatisé, et un groupe de jeunes du quartier, entre guillemets, de Saint-Étienne, quand on fait les démarches pour obtenir cette salle, on est soutenu par personne, on nous prend pour des fous, et les gens pensent qu'on va faire 500-600 personnes au grand maximum. Et on se retrouve à un mois de la date, avec une salle à guichet fermé, et les gens ont commencé à nous prendre au sérieux. Et même si je suis fatigué, et que l'humanité me fait désespérer, je n'ai jamais abandonné le combat pour la changer. Égalité, espoir divisé. Avant de faire ce film, je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas quand est-ce qu'ils ont commencé. Mais je pense que, vu le temps où on a enregistré l'album, et quand je vois aujourd'hui leur notoriété, je dis bon, c'est un parcours exemplaire. Je me rappelle encore quand je suis venu à Saint-Étienne, puis 2 ans après, je les ai croisés sur la route en fait. Et j'étais surpris de voir le public chanter de la chanson. C'est un groupe qui a un message, c'est un groupe qui, je pense, qui ne fait pas que chanter. J'ai eu la preuve parce que lorsqu'on a eu besoin d'eux pour contribuer à la construction d'une école en Afrique avec l'association donc, de Damien à Saint-Étienne, le Synapse, donc ils ont tout de suite répondu à l'appel. Aujourd'hui, nous, on vient construire une école ici. Mais je vous assure que les seules personnes qui pourront sortir Touroni de sa situation sont les enfants de Touroni. Parce que personne ne viendra changer Touroni à la place de Touronika. Je ne le voulais pas aujourd'hui de remercier les gens qui ne sont pas ici. Parce que vous savez, c'est un concert qui a été organisé à Saint-Étienne par l'association Synapse. Et en première partie de ce concert, il y avait un groupe qui est basé à Saint-Étienne qui s'appelle Domain Corporation. Je voudrais vous demander de les acclamer parce qu'ils étaient là avec nous.
Je pense que le rôle de la musique ou du musicien, c'est d'éveiller les consciences, c'est d'éduquer, c'est d'informer. Et effectivement, on peut contribuer à changer les mentalités. Dans toutes les sociétés, en tout cas, qui ont évolué, il y a des artistes qui ont contribué à l'évolution des sociétés. Et en tant que fils d'immigrés en France, ils essaient à travers leur musique de faire passer un peu le message de tous ceux qui sont victimes des mêmes choses qu'ici en France. Et puis même les Français qui sont aussi victimes de certaines situations. La pléose pour du drapeau, ma terre d'exil, mes idéaux. Mes couleurs et mes peines pèseront sur mon fardeau. Je maîtrise des styles, je maîtrise des flots, mes origines et mon ego. Mes racines sont toutes celles qui porteront le flambeau. Mon nom est inscrit sur une pièce d'identité. Mon cœur a deux pays qui suis-je en vérité. Bénin, France, Algérie, en haut, laissez-moi chanter. Que là-bas où je suis, je suis toujours étranger. La première fois que j'ai rencontré Dubbing, je venais jouer à Saint-Étienne la première fois avec Omar Perry, qui passait devant Dubbing Corporation. Et on est venu jouer avec Omar Perry, et quand on a fini le show, il y avait quoi, la moitié de la salle qui était prête, qui était pleine. Quand Dubbing a commencé, toute la salle était pleine. Moi, le truc que j'ai ressenti avec Dubbing, c'est que la musique, ça le fait, c'est du reggae, c'est un truc un peu à la page. Moi, je dirais pas que ça amène un truc nouveau musicalement. Le truc est super bien joué, le truc il est en place. Il est carré, il est super travaillé. Je pense que la portée de Dubbing, elle est sociale. Les gens ont besoin d'affirmer ce qu'ils sont aujourd'hui. Et Dubbing, moi, je l'ai ressenti comme ça, qui est arrivé dans cette région, où ils affirmaient un truc, où les gens disaient, bah voilà, c'est ce qui nous manquait ici. Moi j'ai trouvé ça parce que quand tu remplis 7000 personnes au Zénith, quoi. Tu vois, soit t'as un phénomène musical, il y a la musique, mais c'est pas un phénomène musical comme il y a des espèces de musique de fou qui t'emmènent sur des trucs. Non, c'est un phénomène social où les gens, ils viennent passer une soirée. Ils se reconnaissent dans le message, ils se reconnaissent dans les gens qui sont sur scène et qui font. Si j'ai pris ma plume, c'est que j'ai besoin de voler, de sortir de la brume des usines. Et leur fumée entre le marteau et l'enclume, les souvent besoin de respirer. Non, j'ai jamais une tête, mais j'ai en moi de quoi vibrer. Car la musique est musique entre dans tous les quartiers. Les messieurs ont la technique pour faire bouger dans les soirées. Ouais, c'est systématique lorsque la barre commence à vibrer. C'est vivre à son métier, quand elle va plus y échapper au single. On se bat pour la bienveillance, pas pour la justice, l'égalité et l'unité. Pas la contre-étain, tu vois tout le monde est charmé, mais comment cela va terminer? Given a murderer, oh, why? Quand tu déboules chez moi avec un bruit, alors que le bas sauver. Mon peuple qui pousse, c'est pas qu'il s'est déjà rentré. Quand je veux qu'il roule, non, mais dans les manœuvres, il doit me voir. Le cas, comme le lion vaut des tracas. Car pour baisser son raga, pas besoin de certificat. Quand je pose mes mots, la voix qui t'emmènera tout là-haut. Qui en va mettre en politique au piano. Pour nos balades qu'on aime, c'est le reggae music que l'on sème. On n'a aucun problème à dire fuck au système. Passe-moi le L, seulement je me sens pousser des ailes. Non, je peux pas rester tel qu'elle. À me dire que la vie est belle, on reste pas là. À me lamenter et dire que j'avance pas. Pas du temps à me graffer des projets pour un truc à ma voix, je suis zen. C'est que la cause du système, je te malmène. Trop de problèmes, trop de haine. Mon nom c'est qu'un web et la haine comme l'an.
qui vous intéresse, c'est la salle, ouais. C'est les loges, ouais. L'accueil un peu. Ouais, un petit peu, ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir en fait? Bah en fait, tout est un peu en travaux. Hein. Ouais, bah, ouais, voilà. Ah, mais moi c'est plus la scène. Mais surtout la scène. Ah bah la scène, la salle en elle-même. La salle elle est pas montée encore. Hein. C'est, non, non, mais je veux dire l'espace qu'il y a. Tu vas voir l'espace, c'est ça. La taille du truc de l'intérieur. Ouais, d'accord. Bon, allez. Allez, c'est parti. Tu me filmes, je vais être le 7200e qui va être tout là-bas, en haut, dernier qui aura acheté sa place. C'est plein là, c'est magnifique. Celui qui est là, et si c'est plein, qu'il y a un gars ici, bah, la tarte. J'ai hâte de m'y retrouver. J'ai hâte de jouer ici. Premier concert, c'est vous, le 12. Ouais, j'espère que ce sera plein. Tu rêves. Hein. Moi, je pense que j'annonce 100%. Si c'est pas plein, 15 jours avant la date, je vais à Terre Noire avec des grandes pancartes et je fais concert gratuit. Là, c'est pas là que tu rentres en scène, d'accord. Ok. Tu vois. Là, c'est l'entrée sur scène, donc. Là, c'est l'entrée sur scène. On est d'accord, là, c'est... Sorti nos premiers disques, c'était un prétexte à tourner. Maintenant, avec l'expérience et tout, maintenant on se prend au jeu vraiment du studio et on fait de la production parce que ça nous intéresse d'enregistrer de la musique. Les productions allemandes, on a toujours été un peu bluffé du son qu'elles avaient. Du coup, on s'est dit, c'est peut-être là-bas qu'il faut aller essayer d'enregistrer. Le fait aussi de partir de Saint-Étienne pour enregistrer un album, d'aller dans une autre ville où on reste tous ensemble pendant tout le temps de l'enregistrement, qu'il n'y en a pas un qui va aller à un rendez-vous je ne sais pas où à 2h de l'après-midi, qui va revenir à 3h. Vraiment tout le monde est resté concentré sur l'album. C'est aussi ça qui est bien quand on part faire un album ailleurs. Puis avant on n'avait pas de thunes, ça coûtait cher le studio. On fallait tout faire en 3 jours. Maintenant, on a des ordi, on peut faire chez nous pendant des mois, préparer tout ça, couper, machin. Nous, on a la chance d'avoir connu, tu vois, avant Internet et aussi avant le numérique, les premiers enregistrements. Tu sais, maintenant, tout ça, il y a le côté instinctif qui a disparu, quoi. Maintenant,
tout est dessiné, quoi. Chaque note, elle est dessinée. Ça, je l'ai joué, c'est dessiné. Je peux le couper, le placer un peu avant, l'effacer. Que c'est des trucs que on a eu la chance de connaître vraiment les 2-3 dernières années où le numérique existait pas encore. Il fallait des ordinateurs trop puissants. Les studios n'avaient pas ça. Et c'était des grosses consoles, tu vois, tu voyais pas, tu visualisais pas ce que tu jouais, c'était que les oreilles au studio. Ça, c'est sympa qu'on ait connu ça. Bah déjà, ce serait un bon départ de traduire ton truc. Ouais. Et après, moi, je peux écrire en arabe dessus. Ah, d'accord. Comme ça, il y a les deux langues. Exactement. Bon, ouais. Bah voilà, là, on va au studio, hein. On va avec Hakim, tu l'as dominé, le studio. On est en forme, hein. Là, on est en forme. On est en forme. Je veux pas savoir. Moi, ça me fait super plaisir de faire ça avec vous. C'est cool. Jimmy, la première fois que j'ai joué avec Jimmy, tu sais où c'était? Au tremplin rock de Rive de G, mon frère. J'avais 22 ans, j'étais gamin. Ça fait 18 ans, t'imagines? Si tu veux passer par là, vas-y. Moi, Jimmy, il a bercé mon enfance. Bah ouais, moi, je me rappelle. Toi, t'as bercé mon adolescence. Moi, je suis arrivé avec les poils, c'est ça? Ouais. Préparer une partie impro, parce que c'est normal, il faut qu'il y ait, tu vois, sinon on n'aurait jamais cherché des mots ensemble et tout, c'est ça qui est bien. Tu vois le truc Didier, le morceau Didier, je l'ai écrit dans la cuisine du studio, à Ferber, là, à Ferber avec lui. Je l'ai écrit le jour même, le texte. Direct. Il me manquait des mots en kabyle, je suis allé le voir, je dis comment on dit les révolutionnaires. C'est bien quand t'es dans l'urgence. Ouais. Ça pompe C'est rigolo, moi j'aime bien travailler aussi. Ouais, moi j'aime bien aussi, ouais. Ça pompe d'autres choses. Ça pompe des trucs qui sont pas dans les réserves. C'est comme ça. C'est bien ça. J'aime bien ce style. Vous avez je suis très content que lui, en même temps, il chante en kabyle, ce que je lui ai toujours dit, chante en kabyle parce que c'est ton truc, il se défonce plus dessus, quoi. Passe un peu reggae, bien. Le texte, ça tape quand même. Hein. La démarche telle qu'ils la font, c'est bien. Parce que d'abord,
La vérité de notre métier, elle est dans le spectacle vivant, et ça, ils le font. Et la continuation de ce spectacle vivant, c'est de garder le contact avec ton public via Internet, qui est un outil formidable et qui vont continuer encore et encore à créer des contacts. Et là, c'est une famille qui s'agrandit. Tu as l'information en temps réel qui circule sur Internet. Et ça, je trouve ça passionnant. En tout cas, je leur souhaite bonne chance. Système et de tout ce qu'ils cautionnent, voit tout ce qu'ils leur donnent, car ma mélodie, notre harmonie, mon paradis, j'ai créé mon propre Zion. You see, contre la folie et toutes les manies de ce système qui nous conditionne, faut savoir apprécier. The way of working was a bit new for me, because most bands that I worked before, it's like, there's one guy who gives the direction, who's really the art director of the whole project, or there's a lot of discussion, and in the end the strongest will do their thing. But with dubbing, what is really special, I feel that everybody tries to do it in a way that everybody agrees, so they try more to find a solution that really everybody can stand behind. Nous, on considère que tout le monde doit avoir le même droit de parole et tout le monde doit avoir les mêmes revenus. Et pour tout. C'est-à-dire que nous, on est un des rares groupes qui partage absolument tous les droits d'auteur dans le nombre de musiciens qui sont dans le groupe. Parce qu'on estime que si un morceau se vend, et rapporte des droits d'auteur, ce sera pas juste parce que c'est un bon morceau qui a été bien écrit, mais parce qu'il y aura 7 ou 8 personnes qui auront fait vivre tout ça. Mais c'est une façon de travailler, je trouve, bien efficace à partir du moment où il n'y a pas un chef qui dit bon, on va faire ça, chacun amène ses idées, ça plaît pas, on arrête là. Je pense qu'on n'aurait pas pu vivre notre histoire aussi intensément autrement que comme ça. Je connais plein de musiciens qui ont joué avec des groupes qui étaient signés dans des majors, etc. Et qui, au bout de 5 ans de tournée, quand le truc grossit, et ben, se retrouvent sur le carreau. Parce que soudain, le chanteur décide de changer de musicien, quoi. Et chez nous, si ça s'est passé, parce que on a quand même eu des séparations aussi dans le groupe, sans rentrer dans les détails, c'est plutôt parce que c'était un mode de vie qui convenait plus à ceux qui sont plus dans le groupe. Et qu'à un moment donné, c'est aussi un mode de fonctionnement qui requiert des sacrifices. Parce que, d'une certaine façon, il faut aussi vouer sa vie à ce projet-là. Tonight is the night. Tu sais, on disait qu'il fallait pas communiquer, mais c'est pas mal de mettre un mot clair, parce que les gens dans les rumeurs, ils n'arrivent pas à se demander si on tourne. Ouais. Au moins dire que la tournée, elle est là, que malgré les rumeurs... Non, puis je veux dire, quand on aura communiqué là-dessus, faut pas hésiter à dire, ouais, enfin, plutôt que, ouais, il y en a qui sont... Enfin, faut dire, on s'est séparés. Don't care about that. But anyway, focus on the ego.
Il n'a pas le côté. Il n'a pas le côté. Ça y est, il dit qu'il ne stresse pas. Il y avait un équilibre. Le groupe s'était formé un équilibre depuis toutes ces années. Ça a bougé. Il y a deux membres qui sont partis. Il y en a un qui est arrivé. Et du coup, il a fallu recréer un autre équilibre. Ça a été notre première vraie séparation, remise en question du groupe. Et là, ça fait naître quelque chose d'assez spécial, c'est-à-dire de se dire, ah ouais, en fait, le groupe pourrait s'arrêter. Justement, notre solidité, c'est ça. Si ça commence à s'effriter, c'est peut-être le début de la fin. Et c'est peut-être même la fin, tout court. Donc on ne savait plus trop comment ça allait continuer, qu'est-ce qu'on allait trouver pour remplacer, pour réussir à garder cet état d'esprit. Bizarrement, on se sentait indestructible dans ce qu'on faisait. Pour moi, c'est mon ressenti. Je pensais vraiment qu'on pouvait avancer comme ça sans que rien nous arrive. Les premières choses qu'on a fait pour rebondir, c'est qu'on est parti en Jamaïque. C'est un truc qu'on en rêvait. C'est-à-dire que ça passait à la fois... C'était un voyage proche de notre passion, la passion qui nous avait réunis ensemble, la musique. C'était aussi un voyage de... Enfin, tu pars sur une île, quoi, si on parle. Donc tu pars vraiment te détendre et vivre autre chose avec le groupe que faire des réunions sur toutes les merdes qui nous arrivaient depuis un moment, avec les séparations, l'argent, tout ce que la séparation entraînait, de se retrouver dans un cadre autre, quoi, en Jamaïque. Hein. We actually have an international band for you guys tonight. Coming out of France. Coming out of France. All right? From a place called Saint-Étienne. Saint-Étienne. So let us welcome Dub Inc. Dub Inc. Ça nous a déjà ressoudés sur nous-mêmes et ressoudés par rapport à notre passion. Voilà, la musique, c'est ce qui nous plaît. On a la base de ce qui nous a réunis, le reggae. On est allé dans les studios, on a rencontré les artistes. Et on a vu que voilà, c'était ce qu'on voulait faire quand même. Et le fait d'être ensemble et de vivre ça, voilà, et quand on est rentré, il n'y avait plus de doute, on allait continuer. Et pour ceux qui nous connaissent depuis longtemps, dans ces deux ans, il y a eu un peu de changement. Et c'est le moment où jamais de vous présenter le changement. Vous aimez la bosse ou quoi, yo? J'ai commencé avec Cynthia, on est vraiment des amis d'enfance pour nombre d'entre nous. Moi, je connais Riquet depuis le CM2, je connais Nathier Roucan depuis la 5e. On a commencé ensemble, on a fait toutes ces années. Et au bout de, je sais pas, 10 ans, 11 ans, il y a deux membres qui sont partis. Donc, on a été confrontés à ce truc-là. Donc, quand eux m'en ont parlé, on est passé par là. Et c'est normal dans la vie d'un groupe, je crois que c'est inévitable. C'est déjà tellement beau de réussir à faire toutes ces années. C'est inévitable, donc... Il y avait le côté rassurant de, et ça n'empêche pas derrière de perdurer. C'est un moment désagréable à passer, mais non, c'est un moment que tout le monde surmonte. Puis j'adore le texte sur le dernier album qui parle de ça. D'un moment, dans quelques années, quand ils reviendront sur ça, ouais, ça fait partie de l'histoire et c'est que ça devait être ainsi. Donc voilà, j'ai pu que encourager à, vous allez passer l'obstacle. Voilà, c'est un obstacle pas agréable, mais... Donc voilà, après ils se posaient des questions sur comment... Et ils ont trouvé les réponses tout seuls, tout simplement. On va faire la promotion de Bink. Non, comment s'appelle le bar? Comment il s'appelle le bar, Fernando? Stevie Ray's. Stevie Ray's. The Bink Corporation. Stevie Ray's. Lagsh. Alga. Futsuga. Like reggae music? Yeah, because tonight...
that there is one of the biggest bands from France, the Dubby Corporation. They play in a big festival tomorrow in Portimão. Tonight they're going to play in a bar, little bar here called Stevie Ray's. In like half an hour, 45 minutes. If you like good music, come check us out. Okay? Stevie Ray's. Bon, on essaye, hein, il faut ramener du monde. C'est délire, ça tue, ça fait plaisir, parce que personne sait que d'habitude on joue dans des grosses salles et tout, donc ça nous met dans les vraies conditions comme au début. J'ai plus le trac que devant 20 000 personnes, je te jure. Là tu peux pas t'enfuir, tu peux pas te cacher, tu peux pas, c'est la musique. C'est cool. Horrible sound, horrible playing, great show, great vibes. Non, c'est très cool. Good vibes, very good vibes. Tu vois ce qu'on sait au Portugal, dans ce bar, finalement, c'est rien. C'est qu'un concert dans un rad, comme on en a fait des centaines et des centaines. Ça fait tellement longtemps qu'on n'en a pas fait. C'est un peu pirate en plus, pas organisé, pas prévu, organisé le jour même, machin et tout. Ça fait tellement longtemps qu'on n'en a pas fait. Putain, mais on a eu. Moi j'ai eu une pression. Une pression. Je te jure, c'est un truc de fou. Ça nous a, moi ça m'a replongé 8-10 ans derrière. Facile. Là, faire comme ça, perdre tous tes repères que t'as là. Que tu as sur des grandes scènes, avec une organisation clic-clac, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Là, t'es face aux gens et face à toi-même, quoi, finalement. Et t'as aucun autre interlocuteur. Moi, je trouve ça terrible. Alors, aller jouer dans un bar à Vannes, ou à Rennes, ou à Saint-Etienne, ou à Lyon, ou à Montpellier, ou à Marseille, peu importe. C'est-à-dire que tu vas pouvoir faire rentrer dans ce bar 200 personnes, maxi, ou 100, ou 50, ça dépend du lieu. Et finalement, voilà, la notoriété qu'on a fait qu'on ramène quand même un peu de monde. Et moi, ça me fait chier, au final, de laisser 200 ou 300 personnes dehors, pour le meilleur cas de figure. Ça me fait vraiment chier. Alors que voilà, tu prends la décision de faire des concerts dans les bars, et toi, au final, tu joues justement un petit public, c'est super bien. Et tu laisses trop de gens dehors, en fait. Et tu reviendras pas chez eux pour cet événement-là. Donc c'est cool pour nous, ouais, ça fait un super buzz et tout. Mais encore une fois, je trouve que c'est bien, c'est un bon délire, mais c'est facile. Alors que d'aller le faire à l'étranger,
et faire ça parce que pour se faire connaître, c'est vraiment une autre démarche. Vraiment une autre démarche. Et celle-là, par contre, elle me plaît vraiment. Also with Dub Inc., who produces festivals in France and works with the manager, wow. Mathieu. She came to my international hip-hop showcase right here in New York, and she said, Dub Inc., you've got to know about Dub Inc., and here's a CD, and blah, 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 blah. You know, just talk to me a lot about Dub Inc. But when I finally listened to it, I was like, oh, la, la. I called Cecile immediately, and I was like, these guys are amazing. I want to work with them. And here we are today. C'est normal que ce soit pas marqué sur le programme là ou quoi? En tout cas, il n'y a personne pour le moment pour nous ouvrir. J'espère que ça va pas être un plan foireux. Ouais. Oh, Dubbing Corporation, they definitely have to go. Oh yeah, it will be great. They have to go, man. Because you want to organize a show in Mexico here and here? Yeah, yeah, or at least two cities, like Mexico and Puebla, we can definitely do those two. Two cities. Okay. But you will give it to a friend of yours. Oh yeah, oh yeah, yeah. You must copy. You must put everything in MP3. We don't care. Yeah. Yeah. Okay. Can I put you guys on Grooveshark? Yeah, you can sell it. We don't care. I can put you on Grooveshark. not that, but Grooveshark. It's like internet radio. Okay. Yeah. Cool. All right, man. Thank you so much. They are on a mini tour in America right now, and like I say, in a minute, we will be talking to them, so stay tuned, go nowhere, keep it locked. WCL 90.3 FM. Okay, names and so forth. You are a singer. That's a name? No, my name is Henri. C'est Kamla. 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 Zigo. Kamla. Zigo. Okay. Au début, on avait un peu l'impression qu'il s'en foutait, et en fait, tu vois, petit à petit, il a rentré dans le truc. Il connaissait pas le disque, il connaissait pas le nom du groupe, il savait pas ce qu'on foutait là, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu... Au début, ça peut être déstabilisant, quoi. Tu te dis, bon, qu'est-ce que tu fous là? Et puis après, petit à petit, ça s'est décanté, grâce au son. Song for all sufferers. Monte à la hache, ne reste pas déçu.
And I expect you know, to hear about them in the future. Because they're right at the money where the reggae is concerned. You know, they're right there. My only thing is, if they could do some English, do some of their songs in English. Other than that, I mean, it's just like I'm listening to a Jamaican group. If you ask me if they have a future, they do have a future. Bombay, bye, j'aime les risques, on dit la carte toujours plus rough. Si tu ne connais pas, écoute ça. Bombay, bye, ton son est mal, le bise à mettre pour faire ta teuf. Si ça garde, n'écoute pas. Bombay, bye, j'aime les risques, on dit la carte toujours plus rough. Si tu ne connais pas, écoute ça. Bombay, bye, ton son est mal, le bise à mettre pour faire ta teuf. Si ça garde, n'écoute pas. On mélange tous les styles pour que les sons boivent. Moi, je suis venu de Rimouski. Et ces messieurs de Québec pour voir le spectacle de Dub Incorporation, unique en Amérique. Alors, ça vaut 13 heures de voiture. Tout ça pour la danse et l'amour de la musique et la diversité. Comme la réalité, malgré tout, on reste hardcore. J'ai du canalis, des marathons, dû faire des efforts. On balance du son qui met tout le monde d'accord. Tommy passe à l'action et bien ma chope le dance floor. I'm from Africa, but the Jamaicans would say it's a wicked band. Like, always full of energy, full of vibrations. The people have a good heart, and I encourage everybody all around the world to watch out for these guys, to take over. Boom. Passer le mic, passer le mic, passer le mic, ding ding. Passer le mic, passer le mic, passer le mic, ding ding. Ding ding, ding ding. Son amigo son den. Passer le mic, passer le mic, passer le mic, ding ding. Passer le mic, passer le mic, passer le mic, ding ding. Ding ding, ding ding. I enjoyed the group and I was very impressed with the energy, amazing energy and the love, positivity, and also I love the fusion of Middle Eastern melody and vocal together with reggae. That is dope. That's like the number one thing about the band in my opinion. Thank you. Indépendance, elle s'explique dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que de la première note composée à n'importe quel lyrisme qui va être placé, en passant par la topographie, l'écriture des textes dans le livret, jusqu'au carton de l'imprimerie, jusqu'à l'affiche qu'on va mettre, jusqu'au bus qu'on va louer pour la tournée, tout est géré par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est 100% indépendant. C'est-à-dire que même nos partenaires, nos distributeurs, ils pressent des disques et c'est nous qui payons le pressage des disques. C'est-à-dire que lui ne fait que les mettre dans le magasin. Voilà, on a deux partenaires, un tourneur et un distributeur. Tout ce qui est production musicale, artistique et phonographique, c'est nous. On a appris à faire des CD par nous-mêmes de A à Z. Qu'est-ce que c'est que presser un disque? Qu'est-ce que c'est que la SACEM? Qu'est-ce que c'est que la SPPF? Qu'est-ce que c'est que tous ces organismes? Qu'est-ce que c'est que le marché du disque? Le juridique d'un CD, etc. Donc vraiment, notre métier de musicien, il dépasse ça, parce qu'on a appris tout ça ensemble, quoi. Si je rencontre quelqu'un sur Internet qui me dit « Ouais, venez jouer, je sais pas, au Vietnam », j'ai un pote qui a un bar au Vietnam, franchement, on peut s'arranger avec des subventions, on peut peut-être trouver moyen de payer quelques billets d'avion. Si moi, demain, j'arrive... au local et que je vois les autres, je leur dis franchement, ce serait trop bien qu'on aille au Vietnam. Et ben, on le fera. Et ça, c'est. Tu vas pas arriver chez Barclay en disant ouais, putain, j'ai rencontré un mec sur internet qui a un bar. Je pense qu'il y a moyen qu'il nous paye deux billets pour. Les mecs, ils vont te dire, mais on s'en branle. Et que nous, on peut faire vivre des rêves comme ça. Pour nous, l'indépendance, c'est ça. C'est pouvoir s'amuser à faire ce qu'on veut. Juste parce qu'on en a envie et qu'on ne se fixe pas de limites.
serre les couilles et partager la soupe. Ils n'en ont rien à foutre dans la scène qui me coule. Le con des soldats roule, on rappelle tous nos troupes. Ouais, les aimants. Say wood boy in a dance hall, reggae music I who watch a detest, I give you pit boy contest now. Oh Lord, oh Lord, so would you tell me now? Come say wood boy in a dance hall, reggae music I who watch a detest, I give you pit boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? Come say wood boy in a dance hall, reggae music I who watch a detest, I give you pit boy contest now. So would you tell me now? Come say wood boy in a dance hall, reggae music I who watch a detest, I give you pit boy contest now. So would you tell me now? Pas à test, même si ton gun est rangé. Tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver. Car Babylone te rend mauvais. Car Babylone te rend mauvais. Engrainé dans le vice, commence à manquer de respect. C'est dur de me passer à la vie quand elle nous a jamais aidé. Élevé dans un 25 mètres carrés. Élevé dans un 25 mètres carrés. Tu passes tes journées dans un décor de béton armé. Un quotidien synonyme de morosité. Trois chemins aux réalités. Tu crois être bon mais t'es mauvais. Comme il s'est woodboard in a dance soul, reggae music I who watch a detest, I give you pit boy contest now. So would you tell me now? Comme il s'est woodboard in a dance soul, reggae music I who watch a detest, I give you pit boy contest now.